Bonsoir à tous, je suis Damien, vous êtes sur L'œil carnivore et ce soir on va jouer un match de ligue contre Taurus. Salut Taurus! Salut, salut! Alors Taurus, t'es en Polynésie française et je t'avoue que je t'envie bien parce que ici il fait à peu près moins 7, moins 8, voire plus en dessous. Et toi, tu disais tout à l'heure qu'il faisait une chaleur étouffante. 26 degrés, 80% d'humidité. Ah Il fait bien ouais, chaud. 80% d'humidité, mais Ouais. c'est presque plus respirable là. Et ben, c'est lourd. Tu transpires pour rien dès que tu te déplaces. Ah ouais, Enfin, 80% c'est sauvage, ouais, effectivement. ouais. Ouf. Bon, bah alors chacun ses handicaps, moi je grelotte de froid, toi tu hurles. Voilà. En tout cas, j'aimerais bien un de ces quatre que tu viennes dans l'œil carnivore nous parler de la Polynésie française. Moi, ça m'a toujours fait rêver. Bah écoute. Voilà, on prendra rendez-vous Yes, au plaisir. avec plaisir. Et donc, bah, ce soir, on va se faire donc les matchs de ligue. On est en ligue Mustang, c'est-à-dire dans la ligue quasiment la plus basse. Je sais pas s'il y en a qui sont en dessous de nous, mais bon, voilà. Mais on est là pour s'amuser de toute façon, et puis pour essayer de faire du beau jeu, hein. On va dire ça. Allez, je clique sur prêt. Exactement. On est bon. Ah oui, en plus, moi, mon MMR, il est bien monté ces derniers temps, Ah grâce à ouais, Citrac. Hein. Donc, effectivement, après, t'inquiète pas, tu vas pouvoir m'assassiner, il n'y a pas de souci. Tu vas voir, ça moi je marche. m'inquiète pas, hein. Et puis, bah, On est pour là ceux pour qui le nous fun, hein. regardent, voilà, pour ceux qui nous regardent, installez-vous, prenez un petit chocolat chaud, et puis, on y va. Bon, alors, je me concentre. Ah là là, alors là, j'ai pas d'idée. J'ai pas du tout mon tirage de départ, mais c'est pas grave. Allez hop. Pareil, au Dans feeling. le doute, je suis cancer. Si tu vois ce que je veux dire. Pas du tout, je connais pas l'astrologie. Non, dans le doute, cancer, c'est parce que dans le sens. Il y a beaucoup de joueurs qui aiment pas jouer contre les faiseurs de rage. Ah, à concert dans ce niveau-là, ah Ouais. ouais. Dans ce niveau-là, ouais. Ok. On va faire. On va faire. Ah là 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 là, les faiseurs. Ouais, Alors, allez. je joue pas comme d'habitude pour ceux qui suivent, mais on verra. J'en profite pour remercier Nanars d'ailleurs qui s'est abonné il y a quelques jours. Merci à lui. Bienvenue. Merci Nanars. Voilà, merci Nanars. Et à Taurus évidemment qui s'est abonné il y a 7 minutes. Salut Vic. C'est bon, j'ai pris mon carnet, j'attends les strats. Merci. Merci Vic. Alors, si tu sais pas qui c'est, Vic, Taurus, c'est un des meilleurs joueurs FR. Donc, Oh si si voilà. si t'inquiète. Voilà. T'inquiète. Je vois souvent leurs disputes avec Exe sur le serveur. Exactement. Hop. Alors, ce serait rigolo d'avoir Exe et Vic qui commentent nos matchs. Je sais pas pour qui ce serait rigolo, mais à mon avis, pas Ah. pour nous, tu vois. Ah, pour les téléspectateurs, il y aurait moyen Ah, que. peut-être. Ouais, y a moyen. Mais je pense qu'on prendrait plein de cartouches. Sans doute, ouais. Ah. Ça s'est joué à peu de choses, mais. C'est de l'amour, oui, entre toi et. Et Xenoa. J'ai beaucoup aimé le petit. Le petit faiseur de rage qui essayait de fuir, là. C'était très drôle. Je sais pas quelle.
Hop, hop, hop. Alors c'est vrai que d'habitude, en plus j'ai l'habitude de commenter. Alors qu'est-ce que t'as pris toi? Rhino et crawler silencieux, ok. Normalement, je devrais la gagner, celle-là. Bah, il n'y a pas de normalement, mon gars. Bah oui. T'as des phénix, voilà quoi. Voilà. C'est tout, hein. Oh là là, je ne sais pas quoi prendre. On va prendre ça. Alors. Voilà. Alors ça fait bizarre de pas commenter. Désolé, mais on est concentrés là, tous les deux. Hop. Alors la tentative du Phoenix, est-ce que ça va... Du Phoenix, du Mustang. Bof. Bah, c'est une bonne réplique normalement. Tac, tac, tac. Ah. Ah. Ah, c'est dur. Bon, allez. C'est dur. Ah ah! Fini de rire, c'est ça? On t'entend des trucs, hein.
Ah oui, c'est clair. T'as raison. Oh. Ah ouais. Ah, tant qu'à faire, hein. Ouais, hein. Hop. Faut dire que j'ai fait quelques matchs là dernièrement avec avec Exeno en coach. Je triche un peu, mais bon, là pour l'instant ça va. Je peux faire le malin, mais je suis sûr que ça va pas durer. Alors. On va prendre ça. Hop. Ouais, ah non, j'aurais pas dû faire ça. Ça, c'était en trop, mais c'est pas grave. On va faire ça. Alors ça, fallait s'y attendre, hein, le coup des points de fusion. Mais je pars du principe que j'ai assez de chaff. On verra. Bah, en tout cas, pour l'instant. Ah, mais... Ouais. Bon, heureusement, l'autre se fait... Ouais, j'ai de la chance. J'ai de la chance. Notre karma, ça peut le faire. Ok. Alors, bon bah ça, je suis quasi. Hop. Hop. Alors. Allez, on y va.
Alors pour info, j'ai mis la munition parasite sur le Vulcain. Ok. C'est pour ça qu'il y a eu le... Ouais, mais ça se passe pas aussi bien que j'aurais cru. Toi, tu l'as mis sur quoi, les munitions parasites? Le point de fusion. Ah, bah oui. Ah, bah bien joué. Merci, toi aussi. Il résiste bien ton point de fusion. Hein. Ouais. Wow. Bon, je vais finir par l'avoir, mais heureusement qu'il y a la bombe nucléaire, je dois dire. Ouais. Parce que sinon, j'en ai pas large. Ah non. Ah, il y a la des... fin. Ouais. Ah, joli. Bon, pas mécontent. Pas mécontent d'avoir cette victoire. Tiens, ça me fait penser que le son du jeu était un peu trop fort l'autre fois sur les vidéos. Je vais le baisser un peu. Désolé pour ceux qui nous écoutaient. Heureusement, là, on parlait pas beaucoup sur le match. Donc, voilà. J'aime bien regarder un petit peu le champ de bataille avant de passer à autre chose. Hein. Mais c'était un joli Vas-y. match. Je sais pas ce que tu en as pensé, toi. Pas mal, tu t'es bien récupéré. Franchement, comment ça se fait qu'ils étaient si balèzes que ça? Bah, juste niveau 2, quoi, en fait. Ça Ouais, suffit niveau déjà. 2. Et mine de rien, t'avais des grosses unités devant qui me permettaient, en fait, si j'attrapais un laser sur une grosse unité, ça me permettait de récupérer en point de vie. Et du coup, ça pouvait me permettre de tanker des grosses, grosses vagues. Sauf que, ben voilà, ça joue à rien sur la dernière manche. Ouais, il y avait Et. bah, sur la bah, c'est le nucléaire. Ça, c'est une chose que j'ai appris sur une des dernières parties que j'ai jouées, c'est que quand tu arrives manche 7 et que tu vois le nucléaire et que bah mine de rien au niveau point de vie, il suffit d'un petit coup de pouce supplémentaire, ça peut être fatal. Hein. Tu peux vite perdre. Donc ça vaut le coup de le jouer, quoi. Ça vaut le coup. Yes. Voilà. Eh ben cool. En tout cas, j'ai fait un peu la technique que m'avait montré Xenon, c'est-à-dire Phoenix Vulcain rajouté avec de la forteresse. Parce que tu avais Eh ben sorti. écoute, nickel. J'ai sorti les forteresses parce que tu avais sorti les Arclight, en fait. Et je me suis dit que c'était le mieux pour les killer. Voilà. Bien, ouais. Hop!
Bah, c'était pas un match one way, hein. Ça a Ça croqué va. sous les dents, hein. Ouais, ça Je va, tu t'es m'attendais bien à pire. défendu, hein. Voilà, donc voilà. Voilà. Allez. Merci Taïga pour le GG. Hop, tu réinvites? Yes. Ah, ouais. Bon. Allez. Allez. Allez, allez. Mais t'as 60 000, donc t'as quand même beaucoup joué, mine de rien. Ouais, au début, ouais. Et là, ça fait 2-3 mois que je joue que les matchs de ligue. Ah, d'accord, ok, je vois. Genre, le scorpion, je l'ai découvert au dernier match de ligue, tu vois. D'accord, ok, je vois. Ah, mais il n'y a rien, quoi. C'est quand même Ouais, grave. j'avoue, c'est nul à chier. J'aime Oh là là. pas ces départs. Ben, je suis désolé. Tu vas croire que je fais exprès, mais. Et la compo qu'on sait, voilà, la compo que l'on sait. Voilà. Désolé, désolé. Voilà. C'est pas grave, ça arrive. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on va faire? Du concert, on pense. Ah là 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 là. Ouais, on va aller bloquer ça. Je vais faire ça, de toute façon. Ah. Je fais un truc bizarre, un placement bizarre, je vous avoue. Ouais, je fais ça. Là, ok. J'ai jamais fait un déploiement comme ça, mais on va voir. Je sais pas, je trouve ça joli. Ah, mais vraiment, hein. J'en suis là. Ah, le concert, le concert. Allez, tu me laisses quelques. Oui, voilà. Bah non, ça va pas le faire. C'est la Il en win. reste pas assez. Mais c'est pas C'est grave. la win des Phoenix. C'est la win des Phoenix. De toute façon, on l'a vu comment je partais, il y avait peu de chances que ça passe avec de l'arc-lact en face, mais c'était plus un point de départ. C'était plus un point de départ. La symétrie d'ici track. Oui, effectivement, la symétrie, c'est toujours joli. Alors, qu'est-ce qu'on a de Je crois que beau? t'es pas symétrique du coup. Ouais, en plus. Oui, je suis même pas symétrique, effectivement, parce que j'ai un décalage, mais c'est pas grave. Alors. La question c'est qu'est-ce que je vais faire? Ouais, faut que je me dépêche. Alors en fait, on va faire ça. Voilà, ça. On va faire ça. Même ça. Voilà. Et on va faire. Ça.
Ah oui, d'ailleurs, j'aurais dû faire autre chose. C'est pas grave. Mais Oh, c'est pas ça m'a grave. l'air pas mal là. Qu'est-ce que t'as fait toi en fait là? J'ai pas suivi ce que t'as fait. T'as rajouté du croc? Du chaf? Du rampeur. Ouais, du rampeur, c'est ça. Yes. Inutile. Bah dans le doute, le chaf c'est toujours. Ça marche toujours. Hein. Alors. Hop, on va faire ça. On va continuer ici. Hop, voilà. Et ça. Et Alors j'ai plus assez pour faire ça, donc on va. Ah oui, si, ça je pouvais faire ça, ça. Histoire de. Et voilà. Oh, le bombardement, quoi. Et t'as rien fait contre l'attaque de flanc que je t'avais fait? Si. T'as fait quoi? Bah, j'ai mis un arc light. Ah, et t'as mis l'aérien sur les arc lights? D'accord. Ouais. Ok. C'était pas suffisant du tout. Du tout, du tout. Le bombardement de l'enfer, ouais, effectivement, le bombardement de l'enfer, mais. C'est pas suffisant. Alors, ça, c'est bien. Ça c'est bien, mais je crois que je vais prendre ça. En fait, j'ai envie de faire ça. Là. Tac, tac, tac. On va dire oui, ça. On va faire ça. Là, on va faire ça. Hop, là. Et on va faire ça. Et j'ai plus rien. Voilà. Et ben, toujours rien. Hey, les crocs sont pas à négliger même contre les arclights. Eh ben non, pas du tout, hein. Ils Ils font font leur bien petit le effet. taf. Les rompeurs servent à rien.
Ouais, en fait, je sais pas. Et bah, de toute façon, c'est parti. Et ben, le misclic de l'enfer. Pourquoi? Qu'est-ce que t'as? Je voulais up mes phoenix, mais Ah. j'ai débloqué une tech à la place. Ça, effectivement. Ouais, C'était quoi? C'était les boucliers sur le... mais je voulais juste les up en fait. Ah oui. Ça, effectivement. Bon bah le Ouais, flank le guêpe. flanc guêpe. Bien comme il faut. Alors, il y avait Citrac qui te conseillait d'enterrer les... d'enterrer tes rampeurs, en fait. J'y avais pensé, mais je trouvais que la menace c'était vraiment les guêpes et j'essayais vraiment de trouver un moyen pour niquer les guêpes. Du coup, j'ai mis des Mustangs en dernière manche, mais inutile, Ouais. c'était je crois too late. Et Bah, ouais, c'était plus ça. Alors, tu verras sur le replay, hein, mais effectivement, les guêpes, elles ont mangé les Mustangs d'un seul coup. Mais aussi parce qu'il y avait du bouclier et qu'elles avaient le module de Ouais. rapidité, en fait. Tu vois, Ouais. les guêpes les plus up. Et en fait, les guêpes, c'était... Bah, je continuais à gagner en face, en fait. Donc, effectivement, les guêpes me faisaient gagner du temps, mais c'était... Ouais, je sais pas comment t'aurais pu t'en sortir, en fait. Je t'avoue. J'aurais été dans ton Bah cas, je franchement sais pas ouais, quoi. manche 2, genre le premier flanc guêpe, pas celui de gauche, enfin du coup de ton côté droit, mais celui du côté de ton côté gauche. Genre, je pensais le tanker easy avec amélioration de d'attaque arc light et munitions aériennes. Et en fait, il s'est fait bouffer, genre en 2-2. Et de là, en fait, j'ai couru derrière pour essayer de tanker ce flanc de guêpe. Et genre, devant, j'avais vu les impériaux, mais c'était pas mon souci majeur dans le sens où, bah, déjà, je me faisais des buffs et ça servait à rien de fight en face, quoi, parce que je me faisais des buffs déjà de base. Oui, t'as raison. Là, je sais pas. Je t'avoue qu'une fois que t'as ça sur le côté, puis en plus, j'en rajoutais, quoi. J'ai rajouté de la douleur, donc c'était de plus en plus difficile à contrer, quoi. Et puis, alors, Ouais. il y avait le petit truc, c'est que si jamais tu... En fait, l'idée, c'était que tu blindes de ce côté-là pour les descendre. Et comme elles avaient l'amélioration moteur à grande vitesse, hop, j'ai passé de l'autre côté. Donc, t'étais obligé de faire la même chose de l'autre côté. Ouais, Tu vois ce que... c'est ce que je fais bah, naturellement, hein, tu vois, pour parce que surtout avec ouais, ta techno, en vrai, tu sais jamais, du coup, tu blindes d'un côté, c'est sympa, mais Ah oui, tu genre, en fais... fait, si tu laisses un trou et que tu te fais des buffs et que tu prends du coup par derrière toute la sauce de l'armée en face, genre, tu peux perdre encore beaucoup plus vite, tu vois. Ah, tout à fait, oui, c'est... Mais là, je t'avoue que je sais pas comment je me serais contré, je t'avoue. Bah. Parce que, en Non, fait, franchement, là... bah, c'est le spécialiste aérien. T'as bien joué, tu l'as bien déroulé. Même les Mustangs, si je les avais sortis peut-être une manche plus tôt, je sais pas. En fait, les Impériaux Peut-être. en face et les Guêpes en flanc, franchement, c'était. Oui, puis je développais les guêpes aussi pour que au cas où ça commence à craindre pour mes impériaux, bah, je fais vaisseau mère Ouais. pour Et les même si protéger, tu quoi. les avais placés à l'arrière, au final, en abandonnant le flanc, t'étais vraiment déjà bien genre équilibré, ton armée, elle faisait tout. C'est clair, c'est Au pire, clair. Bah, t'aurais mis une tech, je sais pas moi, enflammée ou l'éclair là pour les Ah, pour faiseurs les crocs, d'orage. ouais. Et ouais. Alors, c'est vrai que la portée sur les crocs a changé beaucoup de choses au niveau du combat terrestre, hein, Mais même, contre les tu vois, Arclight. tes faiseurs d'orage, t'aurais mis les flammes ou l'éclair. Bah.
Oui. Ruiné, Bah, de quoi. toute façon, oui, Genre, ruiné. c'est clair que, ouais. Merci Citrac pour le GG, merci Taïga aussi. Tu veux en Merci refaire les une? gars. Parce que là, c'est un peu. C'était un peu. Bah, comme tu veux, hein. Mais juste pour le plaisir, il n'y a plus de pression, il n'y a plus rien, on peut s'amuser, tu vois. Si ça te Mais dit. moi, il n'y a pas de pression, mec. Moi, je m'amuse. Hein. Eh ben, c'est le principal. On en refait une alors. Vas-y, Histoire de. je t'invite. Hop. 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 Je sais que quand j'ai joué contre qui, je sais plus qui. Ou pareil, je lui ai proposé de refaire des. Même si j'avais perdu mes deux matchs, refaire au moins une partie, histoire de. Et à l'autre partie, c'était plus disputé. Je sais pas pourquoi. Bon, il l'a gagné aussi, hein, mais voilà quoi. Bah, l'autre partie c'était terrestre. Genre, déjà, l'aérien, si déjà de base t'as pas d'anti-aérien, bah t'es déjà un peu derrière, on va dire, en termes de stratégie, tu vois. Oui, mine de rien, le spécialiste aérien, une des choses, bah, ok, tu débloques tes unités gratuitement, mais tu as aussi une portée Ouais, plus accru. accrue. Et mine de rien, cette petite portée accrue, elle fait toute la différence en duel. Donc, c'est pas à négliger. Effectivement. Alors, est-ce que je vais avoir quelque chose qui me plaît? Ouais, quand même, il y a des trucs intéressants là, non? Ouais, un peu plus. Mais on n'a pas les mêmes choses en fait, hein. Ah bon? Un peu plus. Non, 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 c'est pas les mêmes. Ah, ok. Moi, j'ai spécialiste armure lourde, spécialiste de contrôle des coups, spécialiste d'approvisionnement, par exemple. Ah ouais, non. Bonsoir, ma chaude patatose. Bah, installe-toi. On fait du match de ligue. Alors là, bah, j'ai réussi à gagner contre mon adversaire. Et j'en suis pas peu fier. Et là, on fait un match pour la gloire, pour un petit Pour le spécialiste géant, fun. tiens. Pour le fun, ouais. Pour le fun. Alors, je fais ça, mais c'est pas du tout ce que je voulais faire. Ok, on va faire. Alors, qu'est-ce qu'il a en face? Ah. Team Cancer aussi, tiens. Mais je savais qu'à un moment. T'allais craquer. Moi, c'est le spécialiste que j'ai choisi. Là, tu me conserves, ça suit. Après, c'est pas de ma Bah faute. oui, c'est ça. Non, non, mais c'est ça. Mais pareil, hein, c'était. Pareil, pareil. Alors, en fait, je vais peut-être faire un truc plutôt comme ça. Là, un truc. Ouais, faut que je me dépêche. Ah putain, ça m'arrive de temps en temps, le chat qui se met derrière, qui se met et tu peux plus. Hop, allez, Et tu hop. misclic. Bah tu peux plus cliquer en fait pour poser ton unité parce que t'as le chat devant. Ah ouais. Ça c'est très lourd. Ouh là 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 là. Ça va être chaud. Allez, c'est Allez, allez, tendu. allez, allez, allez. Ouais. D'un Ah côté, c'est non, bon. le De l'autre côté. sniper. Non. Allez, ouais. Ah là là. Bon, ça s'est joué à peu de choses, hein, franchement. Ouais, c'est pas grave. Ça s'est joué à peu de choses. Ah. Qu'est-ce que je vais prendre? Là 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 là. Réduit. Je sais même plus ce que j'ai. Ah oui, c'est ça. Ouais, bah. On va prendre ça.
Alors. Je me dépêche. C'est pas facile. Ouais, on va faire ça. Je sais pas si j'ai raison, mais on va faire ça. Alors, on va le mettre. Non. On va les mettre là. Là. Les arcs live pour répondre au chaf, ouais, c'est la bonne. Ah, c'est une des solutions, mais ça fait un peu double emploi avec, avec tes faiseurs d'orage en fait. Bon, par contre, là, je trouve pas. Hein. Je me suis fait plier. Moi, je trouve que ça a fait le taf. Ça a fait le taf. Effectivement, là, sur le coup, ça a fait le taf. Oh là 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 là, il y en a qui ont de l'avance, qui ont de la chance. Ça. On va faire ça. Hop. Alors, qu'est-ce que t'as pris? Ah, tiens, ouais, c'est marrant. N'hésitez pas à commenter, là on n'est plus dans les matchs de ligue, alors évidemment, comme mon adversaire est en ligne en face, j'évite de raconter exactement ce que je fais. Mais n'hésitez pas à commenter. Hein. Alors, qu'est-ce que tu nous as sorti? Ouais, je m'y attendais. C'était sûr. Sniper. Le sniper. Allez. C'est douloureux des fois, on est là. Non. Non. Ouhouhou. Oh là là. Bien joué. Allez. Bien joué, bien joué. Ah oui, j'ai dit que je descendrais le niveau du son et j'ai oublié. Alors, qu'est-ce que t'as dit? Hop. Alors. Toc, 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 toc. Hop. Et
Alors, bonsoir, pourquoi pas Arclight proche de tes crocs. Maintenant c'est un peu tard, sinon Mustang, ouais. Allez, tu le descends ce point de fusion? Voilà, merci. Non mais... Bah non, s'ils y vont un par un aussi, c'est de la triche. Non, ça va, heureusement, il y a le debuff qui... Ah non! Ah non! Ah, ce match tendu du... Oh là là. Bon. Mais ça va pas. Ça va pas. Alors. Ah oui, avant il faut que... Tac, on est à combien? Bon, allez, hop. Ok. On est quoi? On est 5. Hop. Voilà. Et... Bien joué sur l'acide. Aussi. Bah moins parce que moi je suis en plein milieu de l'acide. Alors que toi tu as réussi à... On va faire un hop, on se rapprocher. Wow, de justesse. Hein. Non! Oh. Rappelle-toi que l'acide est plus efficace quand l'autre est dans l'acide pendant que tu lui tires dessus. Bah oui. C'est pour ça que je Ouais. disais. Yes. C'est pour ça que je disais que c'était. Eh C'était bien, utile. wesh. C'était utile. Alors là, Alors j'ai un gros doute de ce que je fais, mais c'est pas grave. Hein. Là l'idée. On va voir.
Je suis vraiment pas sûr de moi. C'est pas grave. Là, la combo acide plus feu, ça a commencé à faire beaucoup. Ouais. C'est pas cool. Non, c'est pas cool, je reconnais. Ah, putain, c'est horrible. Il y a trop de trucs. Voilà. Allez. Allez, pas sûr de mon choix, mais c'est pas grave. Alors qu'est-ce que t'as fait toi là? Ah ouais, ils sont quand même ils commencent à être violents hein, tes points de fusion hein. Un peu. Je suis pas sûr que je puisse en venir à bout. Au revoir. Peut-être la porter. Ouais. Ouais, ça va être chaud, ça va être très très chaud. Bon, je sais ce qu'il me reste à faire, hein, mais... Ah, en plus, il a la régène, quoi. Chaud, chaud, chaud. Bravo. Bravo, bravo. Bravo à toi. Alors... j'ai hésité à faire un truc débile, mais je vais pas le faire. Alors là, je pourrais... Ouais. Ouais. Alors. Ça, on va faire... Voilà. Bon. Tac. Tac.
Ah, ils vont me faire chier tes petits impériaux là. C'était le but. Bah non, en fait, ça va. Ça va. Je pensais qu'il allait. Ouais, je m'attendais à mieux aussi. Bah, c'est vrai que je commence à avoir une bordée de crawl. Hein. Donc. Et j'en génère, donc c'est vrai que ça commence à devenir compliqué. Putain, il tient, mais waouh. Elle est pas suffisant. Ouais, mais quand même. GG. Waouh, c'était joli. A plus, ma chute patato. Ah, j'aurais dû tout miser sur les points de fusion. Merci. T'aurais dû quoi? J'aurais dû mettre plus de points de fusion. Au lieu des impériaux. Ouais, je sais pas. Déjà, t'aurais peut-être dû le tir électrostatique, mais sauf que ça marche pas sur les boucliers, donc ça aurait pas fonctionné. Alors, j'ai hésité aussi à le mettre sur les faiseurs d'orage. Ah, sur les faiseurs d'orage, je pense que ça aurait été. Oui. En fait, ça aurait permis. De dégager plus vite, ouais. Bah, surtout, le bouclier des crocs aurait été touché. Bah, tu vois, t'aurais pu éliminer mes crocs au fur et à mesure. Donc là, il leur fallait deux coups. Donc ouais, je pense que ça aurait pu être une possibilité. Ouais. Parce que là, ça commence plutôt à devenir impériaux chaud, déjà, quoi. Tu vois. Parce que le prochain coup, je m'étais enflammé sur les crocs. Et puis là, ça commence à devenir chaud, quoi. Yes. C'est pour ça que je pensais, tu vois, faire un peu le ménage au sol avec les impériaux. SP terrestre. Mais au final, je m'attendais à un peu mieux quand même. Alors peut-être. Mais c'est vrai que ouais, la création des crocs en plus de déjà des crocs de base, bah, ouais, parce que c'était un peu trop tard. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 crocs. Donc ça commence à faire. En fait, je pense que pour clearer mon chaff, mais alors il aurait fallu que tu mettes portée dessus, c'était du Vulcain. Parce que le Vulcain, bouclier ou pas bouclier, les crocs, je sais pas ce que vous en pensez dans le chat, mais les crocs, ils fondent, tu vois. Et je pensais, tu vois, aux impériaux, vu que tu avais beaucoup moins d'anti-aériens, je pensais que ça aurait été plus efficace sur la durée qu'un Vulcain, tu vois. Avec, je trouvais que tu avais beaucoup, beaucoup de crocs, et je pense qu'il aurait pu se faire submerger assez vite, et se faire éclater par les forteresses, par exemple. Du coup, je trouvais les impériaux un peu mieux dans la situation. Mais je sais pas, à voir, hein, franchement. Mais le problème, c'était les boucliers des crocs, quoi. C'est-à-dire qu'il fallait toutes tes unités, il fallait deux coups à chaque fois pour les détruire, quoi. Donc ça devenait, ça devenait compliqué, quoi. Et comme j'avais mis la portée sur mes crocs à moi, tes crocs, même s'ils avaient bouclier, ils se faisaient bouffer. Je sais pas. Je t'avoue. Moi, je serais parti sur du Vulcain quand même. J'aurais essayé le Vulcain, surtout que t'étais géant, tu vois. En fait, t'as sorti très peu de géants. Comparé à moi, tu vois, pas géant. Ouais. t'aurais sans doute peut-être. Tu vois, même un ou deux Vulcains, tu les sors comme ça et puis tu t'en fous, mais c'est juste le. Ça m'aurait peut-être dissuadé de mettre autant de crocs, je sais pas. Ouais, peut-être. Ouais, peut-être aussi psychologiquement. Bon, pour tout te dire, moi, c'est la première fois que j'aligne autant de forteresses. Hein. C'est très rare. À un moment, je me disais, mec, quand même. T'abuses. Faut se calmer, quoi. Bah, en fait, il me coûtait que 250, en fait. Ouais, bah oui, j'ai vu, t'avais forteresse en série. C'est pour ça que j'ai anticipé un peu le point de fusion. Mais ouais, je m'attendais pas non plus à autant. Bah, attends, forteresse en série et coût réduit pour les unités géantes. Donc les deux, tu mets les deux, ça fait 250 la forteresse. Et là, quand je les sortais, ça me faisait un bouclier. Donc... Ouais, grave. Ouais. Non, mais ouais. C'est tout bénef, quoi. Ouais. Il était vite fait, quoi. D'ailleurs, c'est étonnant, pourquoi tu l'as pas pris le géant réduit le coût des unités géantes. Alors, je pense qu'il y avait peut-être mieux. Que tu l'as pas vu. Je sais plus. Ou alors, ouais, il y avait je sais plus à quel tour c'était, mais je pense qu'il y avait mieux. J'ai dû passer devant ou peut-être c'était le truc genre 50 technologies off.
Et vu que j'avais pour idée de stuffer pas mal mon point de fusion, je pense que j'ai pris la tech off. Je sais Ouais, plus. peut-être. Oui, sans doute. Bah oui, c'est peut-être là que l'armure lourde. C'est vrai que l'armure lourde plus le La régène. la régène plus Ouais. niveau 3, bah t'as vu le temps que j'ai mis pour le descendre, hein. C'était monstrueux. Ouais, Hein. non, grave, hein. C'était compliqué. Hein. Il a J'avoue, hein. fallu. Il a fallu. Bon, bah. Sympa en tout cas. Merci pour Yes. ces parties. Ben, Et merci à puis, toi aussi. belle dernière manche qui était, ma foi, je trouve que bien défendue et bien tendue. Donc, c'était Ouais, chouette. c'était J'espère chaud. que. Voilà, c'était chouette. J'espère que C'était vous chouette. avez bien aimé ces matchs. Vous qui êtes sur Twitch ou si vous êtes sur YouTube et que vous voyez le replay de ces parties, n'hésitez pas à mettre un pouce, à liker la vidéo. Alors je sais plus, non, liker c'est sur Facebook, mais donc à mettre un pouce, vous Un abonner à pouce la bleu, quoi. chaîne, commenter, ouais, le pouce bleu exactement, commenter, etc. Voilà, n'hésitez pas d'ailleurs à ceux qui sont dans le. Dans le chat. Tiens d'ailleurs, si tout le monde fait un petit coucou, là, tous ceux qui sont là, ça m'arrangerait vraiment pour la chaîne. Voilà. Donc n'hésitez pas. Si vous m'écoutez, vous faites juste un petit coucou. Ça fera plaisir à la chaîne. Bah, plaisir à la chaîne. Ça m'aidera pour le développement de la chaîne. Voilà. Et bah, je vais faire l'outro pour YouTube. Je suis fatigué, hein. J'ai dormi que 4 heures cette nuit, c'est compliqué. Donc bah merci à vous et puis bah on se retrouve tout bientôt pour de nouvelles aventures. Ciao. Voilà. Et ceux qui sont en live là, bah hop. Voilà, Taurus, coucou, coucou. Je crois que c'est bon. Il faut encore peut-être une personne, ça serait chouette. Voilà. En tout cas, sympa. C'était sympa, moi j'ai bien aimé. Je t'avoue que là, moi je suis claqué, donc je vais arrêter là. Mais sinon, j'aurais bien continué. Ouais, c'était Voilà, sympa. c'était sympa. Et puis, bah, c'est chouette, t'as vu le Discord, hein. C'est quand même, y a plein de gens avec qui jouer, apprendre des choses, etc. Moi, ça m'a permis de jouer avec des gens comme Vic, Exenon, Citrac et autres. Et donc, ça m'a permis bah, de progresser, d'apprendre des trucs, quoi. Ouais, franchement, hein, pour tous ceux qui regardent, si vous voulez venir dans le Discord, c'est vachement sympa. Il y a beaucoup de high elo qui donnent beaucoup de conseils, qui regardent. Tu peux jouer avec n'importe qui, franchement, ils sont vachement open. Faut juste que tu sois prêt à apprendre tes quatre vérités, mais sinon, à part ça, tout va Ça, bien. ah, ça c'est sûr, mais bon, c'est sûr que comment il s'appelle Mechabellum est un jeu exigeant, mine de rien, et donc bah voilà, ça demande un minimum de réflexion, mais c'est ça qui rend le jeu aussi intéressant. Moi, je trouve qu'il est pas une partie se ressemble en fait, c'est ça qui est chouette. Il y a toujours Non, une c'est sûr, hein. surprise. Même sur nos parties, au final, t'as fait qu'une partie en flanque. Moi, j'ai même pas flanqué du tout. Mais il y a énormément de possibilités. Maintenant, il y a des unités qui permettent de faire à peu près tout. T'as des patchs assez réguliers qui changent la méta. Franchement, c'est un jeu en devenir qui est super sympa. Tu peux te consacrer, je sais pas, une demi-heure à une heure par soir tranquillement. Tu peux progresser. Franchement, c'est Et sympa. C'est ouais, gratuit. ah oui, en plus, alors c'est gratuit maintenant? Non, il est payant encore. Je sais pas. Ah oui, c'est vrai. Il Il est n'est pas payant. encore sorti en Ouais, free-to-play. Enfin, c'est le voilà. projet. C'est Après, le projet, à ouais. voir. À voir. Donc ceux qui jouent là pour l'instant, ils ont payé, mais franchement, il vaut, je Ouais. crois que c'est 15 ou 19 euros, je sais plus, il les vaut sans problème. Ouais, je crois. Et en plus, c'est un jeu qui est chouette à regarder. Même quand tu joues pas, c'est vraiment un jeu. Et d'ailleurs, il y a beaucoup de gens qui regardent les matchs de Mechabellum en fait, sans y jouer. Ouais, exact. Il y a, bah, même si tu veux progresser, je pense que c'est un point obligatoire, hein, d'aller regarder la partie des high elo, voir à peu près ce qui se joue, comment ça se joue, le positionnement aussi c'est important, répondre à certaines unités quand tu sais pas trop quoi faire, bah, regarder des parties, franchement ça aiguille pas mal. Ça c'est clair. Alors bah, je vais faire un petit raid tant qu'à faire, vu qu'il y a un peu de monde. On va regarder qui est connecté au niveau des vidéos. Ah bah il y a The NCNG. Tiens, on va faire un raid sur NCNG alors. Hein? Allez.
Alors attendez, non, parce que si je fais ça, on va l'entendre. Donc je vais aller là. On va faire un petit raid. On va le surprendre. Alors, gestionnaire de stream. Lancer un raid. SNG. Yahoo! C'est parti. Eh bien, merci à tous. Hein, franchement, c'était sympa. Ah, Bonne merci les gars, soirée. c'était cool. C'était cool. Et puis, bah, à bientôt. Hein. On se retrouve bientôt. Et puis, bah, soyez polis hein, quand vous arrivez chez SNG. Ne traitez pas de tous les noms. Voilà.